j'existais. Et je voyais des gens écrire Dubaï, des gens aussi, mes fans, mes bébés, la viennent écrire dans mes commentaires. On sait ce que vous faites maintenant à Dubaï. Donc j'étais perdue, je ne comprenais rien. Je demandais à mon grand Isaac, mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Il dit, ne sais pas. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon statut pour dire à mes amours, mais affairez-moi, hein. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï là? Affairez-moi. C'est comme ça, dans les commentaires, mes bébés ont dit que ah, ce qui se passe à Dubaï là, c'est pas bon. Dubaï, porte à porte, femme toilette, gens, les riches milliardaires, ils proposent de fortes sommes à des influenceuses pour déféquer dans leur bouche. J'ai dit, si c'est déféquer sur le corps là, là j'ai déjà entendu des années, mais j'ai déjà entendu. Mais dit déféquer dans la bouche là, ah, c'est ma première fois. Est-ce que vous avez la vidéo? Les gens ont voyé les captures. Donc comme ça, j'ai écrit à ma cousine. Je lui ai dit que ah, il y a un buzz qui est là, là. On est à Dubaï, à ce qui se passe. Donc c'est comme ça, ils m'ont envoyé la vidéo. La vidéo est dégueulasse. Je ne savais pas que cela existait. Et puis aujourd'hui, j'ai vu que mes bébés ont commencé à beaucoup partager mes photos, mes posts où j'étais à Dubaï, même mes directs où je faisais à Dubaï, où j'étais à l'hôtel, où j'étais dans une chambre de plus d'1,5 million, sans les taxes. Hein. Parce que quand tu payes les taxes, ça peut revenir vers 2 millions, la chambre où j'étais. Donc mes bébés disent que moi, j'ai fait quoi? J'ai jamais su que ça existait. Moi, ce sont mes fans. Moi, c'est mon travail qui me donne de l'argent. Et si on me donne peut-être 100 000 $, mais 50 000 $, je connais des fans, il y a des fans multimilliardaires. J'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un pour qu'on me donne beaucoup d'argent. J'aime l'argent, j'aime le check à nous. Mais je suis pas prête à tout pour de l'argent. Je suis pas prête à tout pour de l'argent, mes bébés. Donc, calme-toi.